D'autant plus que cette année, c'est un peu un renouveau pour le prix Félix Leclerc. Après, pour son 15e anniversaire, on a décidé d'en faire un beau gros prix important. Important parce qu'on a des nouveaux collaborateurs sur ce prix qui vont tous venir vous adresser la parole les uns après les autres. Important aussi parce qu'on a l'impression qu'après 15 ans, les artistes qui ont remporté ici comme en France le prix Félix Leclerc ont des belles carrières et puis ça prouve que le jury a fait des bons choix. Je suis d'autant plus à l'aise de dire que le jury a fait des bons choix que nous, on n'est pas impliqués dans le jury. Quand je dis nous, c'est les Francofolies. Le jury du prix Félix Leclerc est constitué de représentants des médias et de Nathalie Leclerc, présidente de la Fondation Félix Leclerc. Et puis, tout le monde ensemble, on dévoile le lauréat, Nathalie. Avec grande joie, Damien Robitaille. C'est la deuxième ou troisième fois que je suis nominé, puis chaque fois, non, chaque fois, j'ai hâte de voir. Puis je suis confiant d'être parmi tous ces artistes qui ont gagné les prix, parce que c'est du bon monde, puis des gens que je respecte énormément. Et de recevoir le prix nommé après Félix, un des grands de notre chanson, est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui a inspiré plusieurs artistes. Tout un honneur. Et j'aimerais remercier les Francofolies qui ont toujours été là pour moi dans ma carrière, depuis le tout début. Ils ont été parmi les premiers supporters, là. Puis, Peux-tu dire quelque chose? OK, oui. Il y a une drôle de conjoncture parce que moi, la première fois que j'ai vu Damien j'allais dire sur un stage, c'est beau ça, prix Félix Leclerc, un stage, bravo, sur une scène, c'était à Granby, au festival de Granby. Fait que je trouve ça drôle juste que la boucle se boucle comme ça. Voilà. Oui, c'est le book, c'est la fin de ma carrière ici. Alors, je prends le temps pour annoncer. Ah, mais quelque chose de drôle aussi qui book vraiment la boucle. La première fois que j'ai fait les Francofolies, c'était il y a 5 ans. J'étais seul sur la scène devant le complexe des Jardins. Ouais. Et par pure raison, j'avais un double booking ce jour-là. Je jouais à 5 heures là, et après, je sautais dans un char et je conduisais jusqu'à l'île d'Orléans pour jouer dans la maison Félix. L'espace Félix Leclerc. Alors là, je suis arrivé là à 10 heures du soir, tout le monde m'attendait. Alors merci d'être venu ensemble ici pour moi, la boucle se boucle. Super.